Bah vas-y Jake, dis-le si tu t'emmerdes. Attends, on va t'occuper là. Salut à tous, je vois qu'il s'emmerde, il baille. Donc on va recommencer l'aventure. Non, 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 tu ne te couches pas, debout, et on enchaîne sur le prochain niveau. Ah, moi ça fait quelques minutes que j'ai arrêté la précédente, et là nous entrons dans l'élevage de Clarksville. En espérant que ce soit peut-être un peu plus long que le précédent. Alors là, est-ce que je me souviens de ce niveau? Oh. Oh, oh putain. Oh, je l'avais oublié celui-là. Là, j'ai quelques vagues souvenirs, ça y est, qui me reviennent. Waouh, waouh, waouh. Ah. Moi, j'ai des bons petits souvenirs, là, dis donc. Bon, et bah, c'est reparti pour la chasse aux odeurs, hein. Prends ça, sale renard. Ah oui, il y a un renard. Ouais, alors je crois que je vais devoir le courser ou un truc comme ça, je sais pas trop ce qui va se passer déjà. Bon, on va essayer de louper aucune odeur. Voilà, ouais, alors là, cette fois, on va incarner un... C'est un bulldog, ça? Bon, je suis pas très très bon, moi, au niveau race de chien, mais... Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il y a un os, déjà? Ou pas? À condition que j'arrive à faire tomber la poubelle. Allez! Oui! Et qu'est-ce qu'il y avait là-dedans, du coup? Ah bah oui, il y avait bien un os. Des os, enfin, qui peut s'en passer? Là, c'était plutôt en dessous. Et apparemment, je vois un truc dans la remorque. C'est un os aussi? Et allez! Franchement, là, il y a certains os qui sont quand même vraiment simples à trouver. Hein. Alors, qu'on regarde un petit peu pour... Ah ouais, alors, le renard, d'accord. On a notre personnage à voir. On a toujours nos fameuses 50 odeurs violettes, des roses, des bleus, des oranges. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 os. Ok, ok. Ben, il y en a peut-être que dans le premier niveau, il y avait vraiment 9 os à récupérer. Parce que là, pour les autres, il y en avait 8. Bref, bref, bref. Donc voilà le chien, le mec qui traque son renard. Ah, on peut entrer dans la maison. Oh putain, on voit rien. Oh, enfin, la maison, je dirais plutôt une pièce, une cave. La niche. Ah oui, il faudrait peut-être que je sauvegarde. Bon, je vais en profiter pour sauvegarder parce que moi, j'ai depuis la dernière fois, j'ai même pas sauvegardé. Puis la dernière, le dernier niveau. Sauvegarde de la partie, de la memory card, insérée dans la fente numéro 1, etc. Voilà, ça y est, ça c'est fait. Allez, lève-toi, on se réveille. Voilà. Ah tiens, je vois qu'il y a un endroit par ici qui... C'est quoi ici? Ça va me faire sortir du niveau, au moins. Je vais où, là? Ah non. D'accord. Bon, il n'y a rien ici, apparemment. Tiens, mais attends, mais même en mode odorat, il n'y a vraiment rien ici? Tiens, c'est bizarre, ça. Ça m'étonne. Il n'y a même pas d'odeur, là, dans le coin. À quoi sert ce coin, alors? Ah, peut-être... Non. Peut-être lors d'un concours, à un moment, je sais pas. De bonnes mauvaises odeurs comme on les aime. C'est assez sûr. Eh bien, c'est ce que Jake appelle une vraie puanteur. Ah, une autre fameuse cascade, la troisième en quatre niveaux. Ça, j'avais pas vu celle-là, odeur. Bon, cette fois, il n'y a rien derrière la cascade, hein. Je pense que ça se voit. On ne peut pas aller sous l'eau. Donc bon, on prend notre petit bain tranquille, comme ça, pépère. Est-ce que là, il va y avoir quelque chose? Oui, 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 il y a des odeurs. Oh là là, qui a coupé du fromage? Voilà, voilà. Bon, rien de palpitant pour le moment dans ce niveau. On est vraiment à la recherche des odeurs, un maximum. Bon, j'espère que vous n'avez pas la gerbe, là, hein. Parce que, putain, avec cette vue-là... Le pire, c'est que je peux pas faire autrement, hein. Parce que si j'enlève le mode odorat, je ne vois plus les odeurs. C'est logique. Qu'est-ce qu'il y a là? C'est les traces de pas de qui, ça? Encore un putois! Non, mais allez, je vais le laisser tranquille cette fois, parce que... je sais pas ce que j'ai contre les putois. Mais alors, qu'est-ce qu'il ramasse dans cette aventure? Alors là, je vois un os. Faut creuser, je suppose. Oui, creuser. Tout est indiqué, c'est nickel. Après, j'allais dire, le vrai challenge du jeu, ce serait de tout deviner, mais bon, tu peux pas te passer du mode odorat d'un jeu, donc
Puis même, si tu veux essayer de deviner... Ah, où sont cachés les os. Et alors là, le jeu, il dure je sais pas combien de temps. Ça va être le mode du bourrinage. C'est parti. Épépép, mon petit. Viens là, mon petit. Allez, viens là. Oh putain, mais c'est qu'il résiste, hein. Oh, il est pas mal, là. Ah, il est pas mal. Il était pas mal. On n'a pas encore été emmerder les poules dans l'enclos. Attends. Je vois même pas mon museau. Ah oui, attends. Je crois que là, je dois m'en servir. Merde. Je dois m'en servir pour faire quoi? Attends, c'est un gros sac. Ah oui, pour rentrer là-dedans. Ah, peut-être pour capter le renard, non? Ou alors, je crois qu'il y a un endroit où je peux rentrer. Ah oui, je crois que c'est ça. J'ai capté un truc, c'est quoi? C'est quoi que je viens capter, là? Il faut que je le ramène? Putain, je sais plus ce que c'est. Ah non, ou alors il fallait que je... Putain, je... Bon, heureusement, on peut le rencontrer quand on veut, mais... Et est-ce qu'on pouvait rentrer avec Jake là-dedans, par exemple? Ah non, on peut pas! Ah, donc c'est bien ça, c'est avec lui, alors. Et le renard, là? Je viens de le voir, le renard, là. T'échappe pas, viens là! Merde, putain! Oula! Ah! Oh, ça fait du bruit, là. Qu'est-ce qui se passe, là, sur mon ordi? Oula là! Attendez, j'ai un petit problème sur mon ordi, là. Pas trop ce qui se passe. Oula là, qu'est-ce qui se passe? N'importe nawak. C'est bon, t'arrêtes de péter ton câble? C'est beau, je crois qu'il a arrêté de péter son câble. Voilà. Ok. Il a pété son câble. Désolé, attendez. Hop là. Voilà. On est reparti. Putain, j'ai eu un son aigu de Cortana dans les oreilles là. Wouh! Ça m'a fait mal, j'ai cru que je décédais pendant une seconde. Bref, du coup, eh ben, j'ai laissé échapper ce renard de merde. On va peut-être parler d'abord où... Allez, on va emmerder les... Oh putain, il est là! Viens là. J'aurais presque que je me mette en mode odeur, j'arrive mieux à contrôler. Putain, ça y est, je le vois plus. Ah, il est bon. Wow, il est bon. On marche pas là-dedans. Ah oui, ça me rappelle un basset que j'ai connu. On est pas mal au niveau des odeurs, là. Putain, je suis en train de me faire poursuivre par des abeilles. Non! Je peux pas mourir, mais je peux après être ralenti. J'aurai faim, faut trouver à manger et tout. Bon, c'est bon, je leur ai échappé. Non! Ah! Putain. Vite que je dégage. C'est bon, tu te sens bien, Jake? Ouais, c'est bon. Alors, on va lui parler. Tu serais pas un chasseur de poules, non? Débarrasse-moi de ce maudit renard et je te donnerai quelque chose en échange. Hey! J'ai des amis qui chassent les poules! Et oui. Alors. Bon, il faut que je le retrouve. Attends, j'ai pas vu une odeur. Ah si, j'ai bien vu une odeur bleue. Là-haut. Hop! Ah, d'accord. Ah oui. Faut trouver. Oh putain, faut trouver les autres. Oh, quoi? Oh, c'est chaud là. C'est super chaud. Mais putain, non. Monte. Mais monte. Et l'autre elle est là. Oh mais là je vais jamais la voir celle-là. Monte. Oh putain. 0 seconde là, c'est mort. Il a bugué. Le jeu a bugué. Lol. Le jeu a bugué. J'ai fait bugger le jeu parce que j'ai attrapé l'autre à 0 seconde. Oh putain, vous venez de voir un bug. Un gros bug de la mort là. Oh putain. J'étais persuadé que c'était mort, mais bon, non, j'ai réussi à le faire bugger. Eh ben, on va pas s'en plaindre, nickel. Les poules, venez là, les poupoules. Je vais jouer le rôle du renard, l'autre il va péter son câble.
Allez, dégage. C'est du lancer de poule. Poule, viens là. Mais putain, elle se laisse pas faire celle-là, dis donc. Je vais tous les faire sortir de l'enclos. Ça va être énorme. Ah putain. Génial. Il faudrait retrouver le renard là. Renard, c'est quoi ça? Ah, c'est plus toi. Renard, où es-tu? Bah en fait, à mon avis, il doit être toujours assez proche de l'enclos. Parce que lui, il veut les poules. Putain, c'est quoi ça? Il y a un panier? Ah oui! Attends. Il y a un panier. Mais ça, je crois que c'est... Attends. J'ai des œufs dans le panier ou pas? Attends, putain. Oh, il est là! Attends, jeté. Il est là. Faut que je suive l'odeur. Je crois qu'en fait, à un moment, je vais devoir récupérer des œufs, mais c'est peut-être justement avec le petit chien que je dois faire ça. Ah putain, je vois des odeurs. Et il est chiant, là. Ah, ça n'a rien à voir avec l'autre que j'avais rattrapé en 2 secondes. Allez. Je le rattrape ou pas, là? Je suis même pas sûr de le rattraper. Oh non! Allez. Putain, oh, mais c'est chaud! Et si je jappe, il a peur, non? Il va courir encore plus vite. Si je prends des raccourcis. Ah, c'est pas mal. Il est un peu con, le renard. Ouais, il fait toujours le même chemin aussi, je crois. Non, mais attends, mais j'ai jamais arrivé comme ça, hein. Est-ce que le bulldog serait plus approprié pour ça? Ou pas? Ah, putain. Ah, c'est chaud. Ah, il faut le gruger comme ça. Ouais, c'est ça, voilà. Fallait le gruger. Bon. Allez, dégage, renard. Ah, d'accord, là, c'était pour montrer que c'était sa tanière. Ok. Youhou ! Je suis aux trousses de ce vaurien à la queue derrière. Depuis que mon chien a disparu. Tiens, cet os est pour toi, mon ami. Tu l'as bien mérité. Ah, son chien a disparu. T'as entendu parler des dognappers, mon gars? Bah voilà. Il y avait même un article dans le journal du coin, mais je l'ai utilisé comme litière pour mes poules. Tu peux le retrouver? Ah bah oui. Lol, c'est quoi cette caméra? Bug? Non! Eh, le chien, gaffe au renard. Je vais me mettre en mode odorat. Ah, je peux pas. Je peux pas mettre en mode odorat. Je peux parler? Ah oui. T'as entendu parler des dognappers, mon gars? Oui, j'ai entendu. Eh, dis-moi que ça va pas rebugger là. Je l'ai utilisé comme litière pour mes poules. Tu peux le retrouver? Non, ne bug pas. Oh oui! Oh putain, heureusement que la fonction parler existe. J'aurais jamais autant aimé parler de ma vie. Bon alors, le problème c'est que je crois que je l'avais récupéré avec lui. Et je crois que j'ai dû le foutre quelque part. Et alors là, maintenant, pour le retrouver... My God. Ah bah non, c'est bon, en fait. En fait, y en a plein d'articles. Je sais pas si c'est tous les mêmes ou pas. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux lui donner? Je peux faire quoi? Ou alors, je peux aller à lui? Non? Ou alors, mais qu'est-ce que je récupère? Mais... Ouin! Ah, ou alors, c'est des prospectus, mais ça a rien à voir. Il faut que j'entre dans la bonne... dans le bon poulailler pour... Ah voilà, c'était ça, non? Putain, je sais même pas. Putain, je sais pas. J'avoue que je... Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Toujours pas d'article complet. Et il manque encore des morceaux. Ah d'accord. Oui, donc c'est ça en fait, c'est que je récupère des articles. Et je dois lui rapporter. Bon, ok. Est-ce que là, il y en a? Ouais, donc là, il y en avait encore un. Mais je crois que je peux en prendre plusieurs, du coup. Ouais, apparemment, je peux en prendre plusieurs. Et ben, on va faire toutes les niches, et puis après, on va vite y aller. Enfin, les niches. C'est des poulets. Bon, bref, j'arrive pas à monter dans celui-là. En plus, je crois que je l'avais déjà fait. Voilà, et là, maintenant, je pense qu'on peut retourner le voir. Putain, vite, un trou, là. Cette galère. Allez, quoi, qu'est-ce qu'il y a?
qu'est-ce qu'il y a? J'ai pas assez? Mais... Alors, t'as vu les renards? Et là, si ça termine, il va me dire quelque chose? Ah oui. Mais, attends, je comprends pas. Toujours pas d'article complet. Il manque encore des morceaux. D'accord. Donc à mon avis, il faut que je rentre vraiment dans... Oh, ok. Ah, sinon, ce serait trop simple. En fait... Allez, dégage, Jake! Il faut que je rentre dans toutes les niches. Ah, oh, putain! Je perds du temps. Il faut que je rentre absolument dans toutes les niches et que je récupère tout et que je lui rapporte tout en même temps. Ah, l'autre, il est pas chiant. Hein. Non! Allez, non! Mais il est incontrôlable! Non! Putain! Ça y est! Ça commence à me faire rager. Oh, putain. Bon. Il faut que je retourne voir Jake. Voilà. Que je retourne avec lui et c'est reparti. Allez. Pire, c'est qu'avec lui, je peux pas me mettre en mode odorat. Du coup, je peux pas gagner en précision. Quoi, mais j'ai déjà récupéré? Oh putain, je comprends rien. Mais je comprends rien. Voilà. Hop. Hop. Je crois pas qu'il y ait d'autres poulaillers. Hein. Allez, non. Allez. Voilà. Poula, poulailler, ça y est. Poula, poulailler. Alors, ça dit, les dognapping ne se limitent plus à Clarksville. Lake Minnewawa en est aussi victime. C'est là que ces vauriens ont emmené Daisy. Lake Minnewawa. J'espère que t'es fort, car tu vas en avoir besoin. Ah, merci, t'es gentil. Au moins un humain qui est pas trop con. En même temps, il me comprend. Lui aussi, il a perdu son chien. Alors, il me reste des odeurs. Oh putain, il me reste une odeur rouge. D'habitude, ça, on peut toutes les trouver quand on est à proximité. Le problème, c'est que je sais plus où est-ce que j'ai récupéré les odeurs rouges. Donc, pour trouver la dernière, ça va être showtime. Bon, et ben, on va chercher, hein. Je sais que j'avais vu des odeurs violettes tout à l'heure quand j'ai... Voilà, ici. Quand j'avais poursuivi le renard. Donc voilà, elles sont là. Hop. Mais ça va pas suffire. Toujours pas. Là, je vois du violet, mais c'est pas ça. Là, il y a des abeilles. Je dégage. Ça risque d'être un petit peu complexe, là, dis donc. Est-ce qu'il y en a derrière la maison? Ce serait pas étonnant, ça, tiens. Ah, voilà. Ça c'est une odeur violette du genre à rester caché et que tu ne trouves pas. Attention. Ah, je sens que là ça va pas être facile, dis donc. Parce que comme ça se ressemble un peu tout, qu'il y a des arbres de partout et tout, il n'y en aurait pas sur les différents poulaillers là, non? Je sais que là il y a un panier, mais il me sert à quoi déjà? Je crois que je peux mettre des œufs dedans, hein. En fait, faut que je jappe, voilà, c'est ça. Faut que je jappe. Non, je veux pas jeter. Pour récupérer les œufs. Comment je fais pour récupérer... Attends, mais... Je crois que je suis... Attends. Merde. Attends, mais je sais plus comment on fait. Attends, je crois qu'il faut que je le pose. Qu'est-ce qui se passe? Ouais. Donc là, il y a le panier. Je crois que je peux récupérer les œufs et mettre dans le panier, non? Il me semblait qu'on pouvait. Ah oui, voilà, c'est ça. Et je sais pas ce que ça fait de tout le remplir, mais... Ok. Bon, on va le faire. Attendez, on va regarder s'il n'y a pas des odeurs. Et en fait, pour qu'elle chie des œufs, il faut leur japper après. Chie des œufs! Allez, chie! Voilà, c'est bien. Non, mais je veux pas la poule, moi, je veux l'œuf. Mais je veux pas bouffer, je veux l'œuf. Oh là là. Il est où le... Ah, voilà. J'ai l'impression qu'il y a la caméra qui se met vraiment sur le panier, donc ça c'est bien. Allez, voilà. Et j'aime bien parce que aussi comme par hasard les œufs se mettent bien correctement dans le... Ah non, pas là. Bien correctement dans le panier. Voilà. Et bah, à en voir un petit peu la taille du panier, je pense qu'il nous en manquerait plus que deux. Allez, récupère-moi cet œuf. C'est pas vrai. Voilà. On y est presque. Peut-être qu'il faut le rapporter au fermier, je sais pas.
On va bien voir. Allez, chie-moi un dernier œuf. Voilà. Allez, dégage la poule. Dégage ma poule. Et le panier. Oh putain. Le panier, il est ici. Hop. Et maintenant, je fais quoi? Je le ramène au mec? Tu crois qu'il sera content? Attends, non, quoi? J'ai... Ah si, putain. En mode odorant, on les voit pas, mais... J'ai... Là, j'ai cru que mon panier était vide. Putain, j'ai trop eu peur. Non, bah non. Mais attends, il faut que j'en fasse quoi de ces... De ces œufs là? Et je sais même plus ce qu'on doit en faire. Je sais même pas si en fait il fallait faire quelque chose. Sur le coup, ça sert à rien. Mais c'est bizarre parce que ça me rappelait quelque chose. Il faudrait pas les donner aux chiens, non? Bah non. Non, je pense pas. Non, mais attends, je suis bloqué là. Putain. Oh là là. Voilà. Non, si je vais vers le chien, il s'en fout lui. Ah, il s'en fout. Donc en fait, j'ai récolté tout ça pour rien. Nickel. Est-ce qu'il n'y a pas moyen qu'on monte sur la maison par exemple? Non, bah non. Je vois pas comment. Et ouais, déjà il faut que je trouve ma dernière odeur rouge. Ça va pas être du gâteau. J'ai pas un os là-dedans, non? Non. Ah, dis donc, là c'est un peu plus compliqué là. Bon, bah on va tout faire, hein. C'est parti. J'aurais dû faire plus attention la première fois quand j'avais chopé les rouges. Quand on chope une catégorie de couleurs, à part les 50 violettes, il faut bien faire attention où est-ce qu'on les chope, parce que c'est à cet endroit-là, en général, où elles sont toutes. Et si t'en reste plus qu'une comme maintenant, et bien t'es dans la merde. Parce que tu sais plus où est-ce qu'elles étaient à la base. C'est très emmerdant, dis donc. Ah putain, les abeilles. Ah là là, je sais plus. Ça, pour ça, j'ai l'impression d'avoir tout fait là. Donc, peut-être à proximité de l'enclos. Putain, je vois pas. Hein. Même les odeurs violettes qui me manquent, je trouve que dalle. Bon, je vais retourner vers la tanière, mais. Ça m'étonnerait. Tiens, ah, elle est là! Elle est là! Yes! J'ai plus d'os que lui. On va se marrer un peu. 3. 2, qu'est-ce que je vais devoir faire là? 1, partez. Choper des trucs? Je dois juste le choper lui? Vous savez, c'est facile, c'est un gros lard. Bah voilà, ça y est. C'est bon, hein? Putain. Ok. Allez. Plus que 3, je crois. Ouais. Que 3 odeurs et ce sera bon. Je sais pas si on a été ici. Déjà, elles peuvent pas être dans l'eau, ça c'est sûr. Ici, non. Je pense qu'on l'a déjà récupéré. Ah, mais où est-ce que vous vous cachez? Petite coquine, va. On va retourner vers la tanière parce que ça m'a porté chance tout à l'heure. En espérant que ça puisse encore me tenir chance. Rien. Non, pourtant on avait bien regardé, hein. À part si le renard tout à l'heure il a pété, du coup ça a laissé des odeurs, mais ça m'étonnerait. Bon bah pendant qu'on y est, on va récupérer la pizza, on va récupérer l'os. Et après je crois qu'on va avoir envie de faire un bon gros caca. On peut pas monter là, non, là on peut pas monter. Y a pas d'autres pièces de la maison? Apparemment non. À part vers l'enclos, je vois pas où est-ce qu'il pourrait y en avoir d'autres. Allez, on va faire le tour. Aïe. Oh. Je crois que nous sommes... Oh, attends. Attends. Il y en a souvent vers le début du niveau. Y a rien là? Non. Même pas plus loin. Non, j'ai pas envie de sortir du niveau, mais... Ah putain, on est dans une impasse, là, dis donc. Ah. Comment on va faire? On
peut vraiment pas entrer dans la maison, hein. Je veux dire, à part ici, mais... Y'a rien d'autre, là, hein. Rassurez-moi. Merde, je peux plus trouver la sortie. Voilà. C'est embêtant, là. Mais je suis sûr, de toute façon, elles doivent être par là, hein. C'est juste qu'il y a un an... Voilà, tiens, voilà. Eh ben, elles sont toutes là. Putain. Ça y est. Ouh, bah dis donc, ça aurait été laborieux, là, dis donc. On va la récupérer. Après, on fera un check de ce qu'il y avait dans le niveau pour voir si on a bien tout récupéré. Et puis, ce sera déjà le temps, encore une fois, de se dire au revoir. J'adore. Mais au revoir, pas adieu. Parce que après, on enchaînera sur un autre niveau, mais dans une prochaine vidéo, évidemment. Alors, checkons. 8 os, les deux photos, toutes les odeurs. Nous en sommes déjà à 33 os. À 1, 2, 3, 4 niveaux de fait. Et je pense que là, pour le prochain, on va sortir de Clarksville. Je suis pas sûr, mais je le penserai très fortement. Allez, on va se placer devant la fin du niveau, histoire qu'on sera prêt la prochaine fois à en sortir. Voilà, voilà. Et ben, quant à moi, j'espère que cette petite aventure, alors des fois pas très très palpitante, je peux l'avouer, quand on recherche les odeurs. Mais malgré tout, voilà, j'espère que cette petite aventure nostalgique sur Doug's Life vous plaît bien, que vous avez l'enfance qui vous remonte. Et puis voilà, moi j'ai hâte de vous retrouver pour un prochain niveau. Et quant à moi, eh ben, je vous souhaite de bien retourner à vos occupations et ciao à tous.